Alors, continue dans cette note de synthèse là, qui durait 3 heures. Donc, on a vu le document 1, le document 2. On a fait la grille de lecture, voilà, sur le truc. On a déjà mis deux documents. Alors, on va voir le troisième document qui va être, qui est là. Alors, voilà. Brocaland, 800 habitants, un laboratoire de l'open data dans une petite commune. Alors, sachant que si on se rappelle de notre commande, nous, on est une commune de 7500 habitants. Mais bon. Donc, évidemment, ça, c'est un document à titre informatif. Ok. Doc3, informatif. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, du coup, voilà, laboratoire. Donc, on a un exemple d'expérimentation des données publiques. Ok. Souligner un peu ça aussi. Voilà, dans une petite commune. Ok. Alors, c'est une démarche. Voilà. Donc, accompagnée de 8 associations. Donc, du coup, voilà, elle a cherché des partenaires. Manifestation, ok. Les enfants très motivés. Cloisonnement flagrant, les obstacles nombreux. Ok. Là, voilà, donc du coup, donc il y a plusieurs partenaires dans, voilà, partenaires, voilà, partenariat, Creative Commons France, etc. Voilà, t'en as dit tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait cette petite ville? Alors, voilà, ils ont fait ce qu'on appelle une manifestation, donc opération libre. Donc c'était quoi les objectifs de cette manifestation? Donc sensibiliser les habitants aux enjeux de la libération des données. Ok. Au début. Ok. Pas de relais financier. Est-ce qu'on peut voir ça là? Opération libre. Alors, du coup, ouais, l'un des objectifs, c'est sensibiliser les habitants aux enjeux de la libération des données. Donc, il n'y avait pas seulement, voilà, la sensibilisation, il y avait l'association à la production de données. Donc du coup, il y avait quoi dedans? Il y avait documents historiques liés au patrimoine. Documents historiques, là, je ne vois pas. Mise en place de. Ok. Participation citoyenne, voilà. Donc, sensibiliser les gens. Bon, là, je trouve pas ce qu'il y a. Voilà. Alors, il dit qu'il y avait donc voilà, c'était sensibiliser les habitants, les associer à la production de données, construire pour les petites communes un guide méthodologique pour ouvrir leurs données dans la perspective de la loi Nottré. Ok, bon, ça je vois pas. Donc, les difficultés rencontrées, donc absence de subvention, manque de savoir-faire technique. Voilà, donc voilà, absence de personnel qualifié, peu d'accompagnement technique ou financier, voilà, c'est ça. Et faible collaboration, voilà, entre les collectivités. Ok. Ok.
Voilà, tirer un guide mythologique. Voilà, donc c'était un peu le truc. Ok, l'intérêt de l'opération livre les associations à la municipalité. Ah, pas trouvé de relais financier comme on a dit. Tout. Ok. Bon, ok, voilà. Document 3 informatif. Donc là, on a un exemple d'ouverture des données publiques. Ok. Donc plus, voilà. Commune, petite taille. 800 habitants. Ok. Démarche qui associe 8 autres acteurs. Ok. Donc, concrètement, c'est l'organisation d'une manifestation qui s'appelle Opération Libre. Ok. Objectif, enjeu, voilà, on dit le mot enjeu, sensibiliser, voilà, les habitants aux enjeux de l'open data, libération des données, ok, plus les associés dans la production de données. Donc, du coup, voilà. Voilà, les docs historiques, j'ai lu ça. Archives. Archives, voilà, liées au patrimoine. Alors, pouvant être consultées. Ok. Partager, pardon. Plus, donc c'était vraiment motivé à la construction d'un guide méthodologique. Ok, pour les petites communes. Alors, perspective, perspective, ça je l'ai pas lu, ça, perspective de la loi Nottré. Ok. Ah. Mise en évidence des difficultés qui sont. Ah. Manque savoir-faire technique. Ok. Alors, manque personnel formé. Plus trop faible collab entre collectivités. Voilà, donc maintenant si on le situe dans notre petite grille, alors où est-ce qu'on va mettre ça? Voilà. Ok. Ok.
Ah bah non, du coup ouais. C'est un document à éviter. Je sais pas si vous le retrouverez dans le truc là. Ouais, bon, on la citera, voilà, pas mettre dans le truc, mais on va. Bizarre ce truc. Voilà, bon.